Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Nous continuons notre introduction à la décohérence et toutes les remarques controversées que nous avons parlé montrent qu'une discussion équilibrée sur les aspects clés de la décohérence et leurs implications dans les fondations de la mécanique quantique est dépassée. Le programme de décohérence a fait de grands progrès ces dernières décennies et il serait inapproprié d'ignorer sa pertinence dans les problèmes conceptuels. Cependant, il est également important de réaliser les limites de la décohérence pour fournir des réponses consistantes et non circulaires aux questions de fondation. Une excellente revue du programme de décohérence a été donnée par Zurek en 2003. Il traite principalement des techniques de la décohérence, bien qu'il contient quelques discussions sur comment la décohérence peut être employée dans le contexte d'une interprétation d'états relatifs pour motiver les postulats de base de la mécanique quantique. Alors, utile pour une première orientation et un premier aperçu, c'est la section de Batia Galupi dans l'encyclopédie de Stanford de philosophie, qui est assez complète et qui fournit une introduction au rôle de la décohérence dans les fondations de la mécanique quantique, incluant des commentaires sur la relation entre la décohérence et plusieurs interprétations populaires de la théorie quantique. En dépit de ses contributions de valeur à la littérature, une discussion détaillée et complète du rôle de la décohérence dans les fondations de la mécanique quantique semble encore en suspens. Il faudra peut-être un peu de maturité pour cela. Je vais revenir brièvement sur le problème de la mesure qui illustre les difficultés clés qui sont associées avec la description de la mesure quantique dans le formalisme quantique et qui sont toutes traitées sous une certaine forme par le programme de décohérence. Ensuite, j'introduirai et je discuterai les principaux points de la théorie de la décohérence en insistant particulièrement sur leurs applications sur les fondations. Voilà, et donc dans la prochaine vidéo, retour au problème de la mesure, assez brièvement, et au schéma de Von Neumann dans le contexte nécessaire à la décohérence. Je vous remercie.